prend longtemps dans l'histoire avant que Montréal ait un maire. Comment s'appelle le premier maire de l'histoire de Montréal? Ben, je sais que ça a été fondé par Paul Chevalier de Maisonneuve. C'était pas un maire. C'était pas un maire. Premier... Jacques? Ça fait comment un V? Jacques V? Jacques Vigneault? Jacques Vignier? Jacques V. Vigné. Je sais pas. Vigé. Jacques Vigé, bravo. Jacques Vigé. Merci, ouais. Au début du 19e siècle, il n'y a pas de maire à Montréal. L'administration publique est dirigée par des juges de paix. Au plan politique, la ville est scindée en deux grands groupes, les patriotes d'un côté et les marchands britanniques un peu plus conservateurs. Ces gens diffèrent souvent d'opinion. Ils vont s'entendre à cette époque pour créer deux grands projets à Montréal. La commission du port, également l'incorporation de la ville de Montréal. On va séparer donc à cette époque-là la ville en 8 quartiers. Dans chaque quartier, on trouve 2 conseillers municipaux. Le premier élu maire de Montréal s'appelle Jacques Vigé. C'est un homme exceptionnel et surtout un homme aux multiples talents. Il a été archéologue, journaliste, auteur, officier de milice, fonctionnaire. Il est un membre fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste et la Société d'histoire de Montréal. Lors du premier conseil municipal, on va voter les armoiries de la ville qui vont symboliser les 4 principaux groupes ethniques de la ville. Dans les armoiries, on retrouve la rose pour symboliser l'Angleterre, le chardon pour l'Écosse, le trèfle pour l'Irlande et le castor pour symboliser la nation canadienne-française. Ce symbole va, avec le temps, changer pour la fleur de lys. Il faut attendre 1852 pour voir le maire se faire élire par des citoyens. Ne vote pas qui veut. Il faut être un homme de 21 ans et plus, propriétaire de biens immobiliers et vivre ici depuis au moins 12 mois, ce qui représente à peine 20% de la population. On peut dire qu'aujourd'hui, l'accès à notre système démocratique est beaucoup plus facile qu'à cette époque.